Bienvenue dans les Anniversaires du jour avec Gérald, Olga et à nouveau comme invité Mireille et Patrick. Et le grand Offenbach chez Anne-Charlotte Raymond, vous avez dit qu'on en parlerait. 1858, Orphée aux Enfers, la création idéale, bande son bien sûr du solstice d'hiver. Bon hiver à toutes et à tous. C'était un programme de France Musique, notre radio préférée. Bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 21 décembre. Vous êtes nés comme Frank Zappa, c'est Jérôme, Paul Meurice un peu plus anciennement, ou Henri Guibé plus près de nous, Jane Fonda, Samuel L. Jackson, tous les chemins mènent à New Recon, Kiefer Sutherland, Julie Delpy ou Mathieu Chédid qui a 50 ans aujourd'hui, Passy, et puis un président de la République, mais on fait pas de politique. Allez, on passe du coq à l'âne avec Zappa, et puis avec Vladimir Cosma chez Gérard Rouy. La danse acidique. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif, parce qu'hier je ne l'étais pas. Jane Fonda face à Henri Fonda. En français, ça s'appelle La Maison du Lac, c'est Catherine Hepburn, et en VO, ça s'appelle On Golden Pond. Une superbe rencontre au sommet des Fonda. Morricone. Sous le regard de Quentin Tarantino, la musique qui lui valut devenir le plus vieux récipiendaire d'un Oscar pour Hateful Eight. Le film ne va pas mettre entre toutes les mains, mais c'est quand même excellent. Allez, Jack Bauer, ici. Dans la première saison de 24 heures chrono. On va aller ici, 24 heures chrono, spécial dédicace à mon cousin Xavier. Et puis on va se quitter avec M, on a laissé le troisième disque, mais enfin allez, ça se passe ici. Sensuel. Mathieu Chédid qu'on retrouvera demain avec Vanessa Paradis. Allez, bon solstice d'hiver à tous. Et moi je vous dis à demain. À demain.